à vous qui regardez cette vidéo. Comme vous pouvez constater, il n'y aura pas de, ce n'est pas une vidéo pour vous faire un tirage, mais pour vous remercier. Pour vous remercier, vous, les belles âmes que vous êtes, peu importe votre signe astrologique, votre ascendant, parce que cette vidéo, eh bien, s'adresse à toutes les personnes qui sont abonnées, mais également à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. À toutes les personnes qui apprécient mes vidéos et comme vous avez pu voir dans le titre, eh bien cette vidéo c'est pour vous remercier d'être 1000 abonnés sur ma chaîne, sachant que cette chaîne, eh bien je l'ai créée il y a un peu plus d'un an, le 4 novembre 2019. Et c'est vrai que je vous avoue, je ne m'attendais pas eh bien, de sitôt atteindre 1000 abonnés. Et je sais et j'espère que, voilà, que la communauté eh bien, va s'agrandir. Et en parlant de communauté, eh bien, le fait d'être à 1000 abonnés, ça va me permettre justement d'avoir la rubrique communauté. Cette rubrique, lorsque vous allez sur plein de chaînes YouTube, vous avez cette rubrique et moi, elle était disponible lorsque je regardais d'autres vidéos. Je me demandais comment ça se fait que je ne peux pas eh bien, proposer du contenu dans cette rubrique. Et c'est parce qu'il fallait tout simplement atteindre 1000 abonnés. Et grâce à vous, eh bien, j'ai atteint ce seuil des 1000 abonnés. De ce qui, ça me permettra, comme je vous disais, eh bien, par exemple, dans la rubrique communauté, eh bien, par exemple, de pouvoir publier eh bien, la guidance du jour que je publie sur Facebook, eh bien, au moins pour les personnes qui n'ont pas accès à Facebook, eh bien, pourront voir défiler la guidance dans la communauté et grâce à vous, eh bien, je pourrai proposer plein d'autres choses. J'en profite également pour... parce que certes, cette vidéo, c'est pour vous remercier, parce que grâce à vous, eh bien, j'ai atteint le seuil des 1000 abonnés, mais également vous remercier d'être actif sur mon compte Facebook, mais également sur ma page Facebook. Et je voulais remercier, bien sûr, tout le monde, les gens que je connais depuis peu, mais également les gens que je connais depuis, enfin, avant ma chaîne YouTube, les gens, on va dire, que je connais depuis mes premières heures, depuis que, eh bien, depuis que je me suis intéressé, eh bien, à la cartomancie. Et je suis ravi parce que grâce à ce qui était devenu au départ une passion, qui par la suite est devenu mon métier, eh bien, m'a permis de faire différentes rencontres et de faire de belles rencontres et dont les personnes que je connais depuis qui me connaissent depuis à mes tout débuts lorsque vraiment voilà c'était vraiment mes débuts et les personnes que je connais que j'apprends à connaître au fur et à mesure les personnes dont je fais voilà, qui on va dire qui rentrent dans ma vie au fur et à mesure c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que bien que j'accepte des invitations sur Facebook, eh bien, mine de rien, eh bien, ça me permet de connaître davantage de personnes, de faire des connaissances. Et sur ma chaîne, je pars toujours début de la vidéo, que voilà, si vous voulez une consultation, un soin ou une guidance, que vous avez la possibilité, d'ailleurs, je mettrai même sous cette vidéo le lien de mon compte Facebook, mon mail ainsi que mon Instagram. Instagram, c'est ce que je mets sur Instagram, c'est en fait je mets également sur ma page Facebook et sur mon compte Facebook, mais c'est pour les personnes qui aiment le format Instagram, et eh bien qui peuvent à travers le lien qu'il y a sous la vidéo, que je mets à chaque fois sous toutes les vidéos, et eh bien de pouvoir également me suivre sur Instagram. Et concernant mes consultations, eh bien, bon, je n'ai pas donné mes tarifs,
en message privé. Mais je vais pas. Il y en a qui vont donner un tarif par, mettons, pour 30 minutes, 60 minutes. Au début, c'est ce que je faisais. J'avais mis en place un tarif pour 30 minutes, 60 minutes. Mais au final, je me suis dit, je ne vais pas, voilà, je vais pas non plus faire une consultation, on va dire, à la minute, sachant que je ne suis pas, voilà, je ne suis pas à la demi-heure près, ou des fois, franchement, il y en a avec qui j'ai déjà eu en consultation, et que la consultation qui, on va dire, une consultation classique qui doit durer, qui logiquement, on va dire, dure 1 heure, eh bien, peut très bien durer 1 heure et demie, voire 2 heures. Ou des fois, voilà, on va dire maximum, voilà. Après, c'est dans les très rares cas, ça peut durer un peu plus, mais voilà, c'est vraiment cas exceptionnel. Mais sinon, on va dire que la consultation peut durer, voilà, un peu plus d'1 heure, on va dire 1 heure et demie en général. Et c'est pour ça que lorsque je donne un tarif, je dis toujours 1 heure minimum, parce que, eh bien, voilà, pour les personnes, j'en parle pas assez dans les vidéos, mais en même temps. Vous me direz, je raconte tellement de choses dans mes vidéos en dehors, des fois qui n'ont pas trop rien à voir avec les tirages, mais voilà, c'est des ressentis que je ressens, mais qui ont un rapport avec la vidéo. Et par rapport, oui, à mes consultations, pour les personnes qui ont jamais eu l'occasion de prendre rendez-vous, eh bien, sachez que voilà, déjà, je peux m'adapter au niveau de l'horaire. Il y a pas de, c'est pour ça que je mets pas d'horaire concernant mes consultations, parce que je peux pas dire voilà, mettons, on va dire que je suis disponible de 9h à midi et de 14h à 19h, parce que si un jour, eh bien, il faut que j'ai une consultation et puis que la personne elle peut, mettons, je sais pas, à 22h par exemple, ben, exceptionnellement je ferai la consultation à 22h. Ou alors, ça peut également m'arriver de faire à 8 h du matin, parce que des fois, il y en a qui, voilà, à qui j'ai une consultation, qui, ouais, il y a un décalage d'horaire, parce que ils viennent, voilà, c'est pas de, c'est des personnes qui ne sont pas de France et avec le décalage d'horaire, eh bien, il faut, voilà, je m'adapte et moi, il n'y a aucun souci. Et sachez que les personnes qui viennent enfin, que j'ai en consultation, hein, que ce soit par téléphone, mais également en webcam, eh bien, ces personnes-là passent un moment convivial. Parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est que la personne, après la consultation, se dise, j'ai passé, non seulement j'ai eu les réponses que je voulais, parce que d'ailleurs, je vous apporte même davantage de réponses que ce dont vous, voilà, vous vous attendez à avoir, mais moi, ce que j'aime bien, ce que je souhaite, c'est que mon but, c'est que la personne, après avoir accroché, se dise non seulement qu'elle a eu les réponses qu'elle a voulu, parce que d'ailleurs, elle aura même eu davantage que ce dont elle voulait, mais également qu'elle aura passé un bon moment, que j'y aurais, voilà, que la personne se sente que son moral, pardon, soit meilleur, que je lui ai remonté le moral, qu'elles se sentent mieux. Et voilà, je dis ça parce que vous allez me dire, oui, bah, de toute façon, voilà, c'est logique, voilà, quand on est en consultation, que la personne, normal qu'elle soit sympa, qu'elle soit, voilà, vu que c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité, mais forcément, quelqu'un qui est positif et tout. Mais les gens, voilà, je vais pas donner de nom et c'est pas mon but, c'est pas mon but, c'est pas de parler des autres personnes, mais vous allez, mais de toute façon, vous en avez, vous-même, vous le savez, même pour les personnes qui m'ont jamais consulté, que des fois, ils ont déjà consulté des gens, moi-même, hein, quand, avant que je, voilà, avant d'être dedans, eh bien, on a toujours affaire à différentes personnes et des moments, on peut avoir affaire à une personne qui n'est pas très, on peut dire pas très sympa, mais où c'est, voilà, c'est pas marrant, ou la personne, il faut absolument que ce soit, qu'elle a un temps très limité et qu'il n'y a pas de, voilà, que l'atmosphère paraît un peu froide. Et moi, ce n'est pas mon but. Et sachant qu'au début, avant de,
Voilà, avant de tout mettre en place, ma chaîne YouTube, etc., par rapport à mes tarifs, etc., je me suis dit comment je dois me comporter. Je vous avoue que c'est vrai. Est-ce que faut que je sois quelqu'un de sérieux, parce que les gens, voilà, ils voient quelqu'un qui soit cartomancien, voyant, tout ça, c'est quelqu'un de sérieux, ou alors au final, je reste moi-même. Et au final, je me suis dit autant rester moi-même parce que de toute façon, je ne vais pas vous montrer. Ce que je ne suis pas, sachant qu'à base, je suis quelqu'un avec qui les gens passent un bon moment, que ce soit les personnes qui prennent une consultation ou même lorsque je donne des nouvelles, on se donne des nouvelles avec des amis, eh bien, voilà, je reste de la même façon, je reste pareil. Et je me suis dit, autant rester moi-même, parce que justement, ça sera un plus et ça montrera que les gens au moins, ils sauront à qui ils ont affaire. Parce que déjà d'une, c'est vrai que au début, faire des vidéos YouTube, c'est pas très évident. Mais à force, eh bien, comme on dit, le naturel revient au galop. Et du coup, quand on est de plus en plus à l'aise, eh bien, on est de plus en plus naturel. Et d'une part, ça permet aux gens, c'est vrai, la chaîne YouTube, de davantage me connaître. Mais également, le fait de rester moi-même lors des consultations, eh bien, ça permet justement aux gens surtout vous voyez à vous, de voir que voilà qui je suis réellement. C'est pour ça qu'au final, j'ai voulu rester naturel et être comme je suis dans la vie de tous les jours, comme je suis moi-même quand je suis voilà quand je ne suis pas Jérôme énergéticien quoi. Voilà, et eh bien encore une fois, eh bien merci d'être 1000 abonnés. J'espère que les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, sinon ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous appréciez mes vidéos. Parce que comme je vous dis dans mes vidéos, eh bien, moi je fais les vidéos parce que ça me fait plaisir. La façon que je fais les vidéos, je fais d'une façon qui me fait plaisir, mais également qui vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir lorsqu'il y a des pouces, mais également lorsque dans vos commentaires, eh bien, vous me dites que vous avez l'impression que la vidéo, le tirage, pour n'importe quel signe, eh bien, que vous avez l'impression que ça vous parle. Parce que c'est vrai que moi, dans mes vidéos, quand je fais mes ressorties, d'ailleurs, là, en parenthèse, je ne m'attendais pas à ce que ma vidéo que je fais actuellement, elle dure autant, mais ce n'est pas grave. Et voilà, on va dire que le temps ne compte pas. Autant je ne compte pas mon temps dans les consultations, autant je ne compte pas mon temps pour quand je fais mes vidéos. On va dire, je ne compte pour vous, et eh bien pour moi, pour vous, le temps ne compte pas. Tout comme lorsqu'on dit que le temps est relatif et que voilà, même si dans voilà, il est prévu que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt, et bientôt ça peut être pour l'univers bientôt. C'est pas forcément dans un mois, ça peut être dans 6 mois, dans un an. Et voilà, moi en tout cas, le temps, voilà, je ne compte pas mon temps. Voilà, moi ce qui me fait plaisir, moi ce qui me fait également plaisir voilà, concernant les vidéos, c'est que voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai perdu un peu le fil, c'est que des fois, pour un tirage, je vais passer, mettons le domaine sentimental par exemple, je peux très bien y passer 5 minutes, 10 minutes ou 20 minutes en gros. Tout dépend de la connexion que j'ai avec le tirage. Et des fois, j'ai passé 5 minutes pour le domaine sentimental, mais par exemple 10 minutes pour le professionnel et 10 minutes encore pour le financier, pour le même tirage. Tout dépend de ce que je ressens. Voilà, tout ce qui me vient en tête, je le dis. Et puis, moi, ce qui me fait plaisir, voilà, c'est justement dans les commentaires, lorsque, on va dire, j'ai... Entre guillemets, on va dire la preuve que ce que j'ai dit, eh bien, de savoir à qui, en gros, à qui ça parlait, à qui c'était destiné. Parce que des fois, j'ai appris dans mes ressentis, c'est vrai que je raconte des fois des choses, il y a des choses qui me viennent, des fois je dis des choses, mais je me dis, mais pourquoi est-ce que je raconte ça? Mais c'est vrai qu'à chaque fois, comme je dis, ben voilà, je vous dis ça, mais je sais pas, je sais que ça parlait au moins, je sais que ça va parler à quelques personnes. Voilà, je pourrais me dire, ben non, je vais pas leur dire ça, parce que à qui ça pourrait parler?
Et moi, mon but de la vidéo, ce n'est pas, eh bien, de dire uniquement de façon générale. Moi, voilà, tout ce qui me passe par la tête, on va dire, eh bien, je sors parce que c'est que ça va parler à une personne, c'est que ça va parler au moins à une personne. Eh bien, il me reste à vous souhaiter, déjà à nouveau, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Et bien sûr, je vous dis à bientôt.